Alors au domaine CAS, nous travaillons en agriculture biodynamique depuis plus de 20 ans. Nous sommes évidemment beaucoup plus ouverts à d'autres moyens de lutte plus alternatifs, à savoir la phytothérapie. Aujourd'hui, nous faisons des tisanes en complément de notre traitement classique. Nous faisons des tisanes et décoctions d'ortie, de prêle, de saule, de valériane, de fougère, de tout un tas de plantes dont les éléments sont très positifs pour la protection de la plante. Certains sont insectifuges, c'est-à-dire que vont repousser certains insectes ou les empêcher de pondre des œufs, quand d'autres vont permettre d'avoir des peaux plus épaisses ou des feuilles plus résistantes à certaines maladies. Nous utilisons l'ortie, par exemple, qui est très riche en fer, qui va permettre d'activer les flux de sève. Nous avons de la valériane, nous avons de la prêle, qui est très riche en acide salicylique ou en silice végétal, qui permettent, elles aussi, de protéger contre l'humidité. Donc l'ensemble de ces tisanes qui sont utilisées traitement après traitement permet de limiter la dose de produits phytosanitaires.